Ok, on y va? Yep. Une place sur la grande place comme les VIP. Comme les VIP, oui. Mais vous connaissez un peu l'histoire de la grande place. Il y a certaines légendes. Hein. Ouais. Là, la statue, là au-dessus. La voyez? Ouais. Ça s'appelle la renommée. Et la renommée, elle danse. Et à certains moments, elle fait un petit relâchement des sphincters. Il y a une certaine odeur. Et là, Charles de Lorraine, il dit, c'est pas moi. C'est lui. Et là, il y a Saint-Boniface. Et Saint-Boniface, qui est le patron des tailleurs de pierre, il dit, c'est pas moi non plus, c'est Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, il baisse la tête et il dit, ouais, c'est moi, j'avoue. C'est vrai, c'est une légende qui traîne ici. Maintenant, je suis devenu maître de cérémonie. C'est-à-dire que les albardiers, on est une petite équipe de 10 personnes et on a un peu chacun sa position et on tourne. Donc il y a par exemple mon collègue ici, Yves, il est parfois à l'escalier, il fait la conduite et moi je fais le maître de cérémonie, c'est-à-dire que les gens arrivent dans la salle de mariage vers les chemins et celui-là qui fait la conduite les amène à l'hôtel. Cher ami, ma voiture. Hello? Ça va? En forme? Donc je prends la valise et ici c'est tous les documents pour le mariage de la journée et de demain. Donc ça je dois prendre aussi. Et je demande à mon collègue Yves. Yves, tu sais prendre mon sac avec? Ça prend du temps de se transformer en albardier? Oh, il faut se maquiller, il faut un peu mettre de l'oil au folaz. Il y en a qui ont juste un bâton, un brigadier, qui font la conduite. Puis il y en a qui n'ont rien, qui prennent les cartes d'identité, et qui contrôle les témoins, surtout. Donc c'est ceci, hein, la fameuse hallebarde. Tu la mets un peu plus droite, s'il faut, là. Maintenant, on va monter sur scène. Alors, voici le fameux livre d'or, où les témoins et les mariés signent après leur mariage. Alors, mon ami Yves, j'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois. J'en vois 4, j'en vois 5. 7 mariages. Ok? Parfait. Yves, il est un peu sourd d'oreille, donc j'ai un peu parlé plus fort que normal. Mais vous entendez bien? On s'entend bien. Elle est bonne. C'est un concurrent. Ah oui, tout à fait. Alors, je vais vous montrer la salle des mariages où Yves. T'as déjà tout installé, Yves? Ouais. Mais tu dois attendre un petit peu. Hein. Ça, c'est messieurs, dames, voyez. Tu es beaucoup trop vite, Yves. Je reçois tous les mois, je crois, le petit journal de Bruxelles. Et là-dedans, il y avait une annonce. La ville de Bruxelles demande deux albardiers. J'ai téléphoné et quand j'avais une histoire un peu particulière, c'est-à-dire que mon papa l'a fait il y a 20 ans, pendant une quinzaine d'années, donc j'ai un peu raconté que j'étais le fils d'eux. Alors la dame m'a dit, sans problème, il dit, tu peux venir, il n'y a aucun problème, on te connaît. Et c'est comme ça que j'ai été engagé. Pistonnier. Je suis un petit pistonnier, oui, tout à fait. Non, bien sûr, mais je tiens à le dire. Yves aussi, tu as été comme ça, mais viens plus tard. On est rentrés ensemble. Je suis venu plus tôt parce que lui, il était pas. Moi, je continue toujours à travailler, mais c'est tout à fait par hasard. Ouais. Il faut être traité. Oui, tout à fait, tout à fait. J'étais délégué commercial dans une société de publicité. J'étais prospecteur en emplacement publicitaire. C'est moi qui j'allais sonner chez les gens pour pouvoir placer un panneau sur leur mur. Et j'ai fait ça pendant 40 ans. Comme la reine, il faut le geste. Hein. Le balcon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un prestige de la ville de Bruxelles pour. Et quand les gens, quand les mariés viennent dessus, c'est magnifique. Quand je vois la grande place à la télévision, ma petite fille est à côté de moi et je lui dis regarde mon chouchou, ça c'est le bureau de papa. Elle me regarde pour dire qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Mais en effet, c'est mon bureau et c'est magnifique. On est dans un endroit extraordinaire et chaque fois que je viens, je prends le temps de regarder, de lever la tête
parce qu'il y a chaque fois quelque chose à découvrir de différent, et c'est magnifique. Épouse, époux. Oui. D'accord, merci beaucoup. S'il te plaît. Je prépare le prochain mariage, c'est-à-dire que je prépare les deux boîtes qu'ils doivent reprendre. Je prépare le petit dossier, comme ça je suis prêt à le recevoir. Ok, tout le monde prêt? Ok. Monsieur, dame, bonjour. Soyez bienvenus. Monsieur, je peux vous demander de vous installer ici. Madame, venez vers moi, je vais prendre votre main si vous permettez. Merci. S'il vous plaît. Je vous en prie, vous pouvez vous installer. Il ne parlait pas la langue, donc j'ai dû un peu improviser en japonais. Thank you, sir. Thank you very much. Alors, je vais vous remettre vos cartes d'identité. Il faut être un peu savoir parler toutes les langues. Hein. On ajoute un as, on ajoute un os, on ajoute un in, et voilà, ça passe. C'était impeccable. Parfait. Et maintenant, c'est le suivant. Le suivant, oui. Deux par deux, comme à l'école, s'il vous plaît. Monsieur, dame, bonjour. Soyez les bienvenus. Et le premier qui dit quelque chose, un bon oui. Un bon oui. Vous êtes un peu entraîné? Oui. Oui, voilà, ça c'est un bon oui déjà. On donne des points après. Hein. 9 et 9. Venez, monsieur, venez, venez. Comme ça, vous êtes sur la photo. C'est quand même vous qui vous mariez. Allez, bon oui. Hein. Ça fait partie du rôle et de la fonction d'albardier. Il faut un peu avoir cet humour bruxellois. C'est souvent. Un peu zouance, oui, un peu zouance. Il faut un peu s'adapter aux mariés, voir s'ils sont un peu stressés ou ils sont un peu nerveux. Donc il faut un peu leur dire des petites phrases, des petits mots un peu sympathiques, comme ça on les décoince. Pas trop stressé, ça va? Si. Si, oui, voilà, je l'avais vu. Je l'avais vu. Oui, je l'avais vu. Vous pouvez enlever le masque, hein? Oui. On vous a reconnu. Ce sont des endroits où il s'est passé beaucoup de choses, hein, ici. Vous savez qu'avant, c'était une cour de justice, avant. Donc on jugeait les gens. Et avant, l'hôtel, il y a un hôtel ici à côté, hein, l'hôtel Amigo. Oui. C'était une prison avant. Ouais. Et il y avait un échafaud sur la grande place. Donc ils allaient soit en prison, soit la tête tranchée. Ouais, ouais. Mais maintenant, ici, on vous condamne aussi, mais à de l'amour, à perpétuité. Félicitations. Merci. Ça a été, hein. T'as entendu lui? Non, oui, j'ai joué. Attention, il pleut, hein. C'est celui-là qui à un certain moment, il y a un gamin qui est ici, et moi j'arrive en albardier avec mon albarde, et le gamin regarde le tableau, et il se saisit de me voir. Il dit « Papa, 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 le monsieur est sorti du tableau. » J'ai trouvé ça extraordinaire, on a rigolé. Voilà, c'est un de mes ancêtres. Je ne sais pas si vous allez tout mettre, vous allez couper. Dites. Au revoir. Merci monsieur, merci beaucoup. Bonne continuation. Vous c'est gentil. Vous faites un super travail avec les gens. Ah ben, c'est très gentil monsieur. Vraiment. Merci beaucoup. J'ai jamais vu ça. Ça me fait plaisir, ça me touche. Ah, continuez merci. Avec toutes les personnes qui viennent. C'est gentil, merci. Beaucoup. Merci. Mais tu vois ce qu'on... Je travaille aussi un peu au pourboire, hein, donc ça fait un peu partie du... Mais bon, voilà, c'est tellement gai quand il y a des retours de gentillesse, cette sympathie, où les gens te remercient d'avoir été gentil, sympathique. C'était vraiment une journée bien remplie, ouais, ouais. Il faut toujours garder cette pointe d'humour pour pouvoir rentrer à la maison, raconter ma journée à mon épouse adorée. Thank you.